Alors nous continuons notre petite progression au travers des textes. Et après les masques, eh bien, il y a d'autres paramètres qui viennent se greffer sur les difficultés de la vie. Et parmi ces difficultés, eh bien, nous avons la maison. Avoir un chez-soi, c'est le rêve de tout un chacun. Et malheureusement, pour y arriver, c'est souvent très, très dur. Et c'est souvent la cause, malheureusement, de divorces, de problèmes. Alors c'est la raison pour laquelle j'ai pensé très très fort à tous ces gens qui pleurent, qui peinent toute leur vie pour arriver finalement à avoir leur maison. Alors à toutes ces personnes, eh bien je dédie tout simplement avoir un chez-soi. Un maigre revenu, sans cesse décroissant, des prix montant toujours inexorablement. Jamais on ne saura renverser la vapeur et apporter enfin la paix dans tous les cœurs. En espérant ce jour, le petit ouvrier, sans le moindre plaisir, par pure nécessité, est prêt à sacrifier jusqu'à ses sentiments pour briser le poignard qui le tue lentement. Un condamné à vie, mourant dans sa prison, c'est le prix demandé pour avoir sa maison, pour laquelle il faudra, en plus de la douleur, payer sans arrêter jusqu'à la dernière heure. Pour accéder à la propriété, la femme entre à son tour dans ce cercle fermé. Pour gagner quelques sous, leur permettant enfin, en brisant leur foyer, de ne plus avoir faim. Le songe étant fini, la vie reprend ses droits. Capable, honnêtement, on la montre du doigt. Ne voulant pas céder aux viles propositions, elle renonce dignement au projet de maison. Adieu, rêves idiots, qui avez oublié qu'il existe toujours des personnes sensées, refusant d'accepter un sort encore meilleur, s'il leur faut pour cela y laisser leur honneur. Ainsi s'en va la vie, en détruisant l'espoir et repoussant tous ceux qui osent encore croire qu'en dépit des travers d'un monde sans vertu, la vie vaut cependant la peine d'être vécue. Combien de temps encore la verve qui anime les derniers défenseurs d'un monde sans combine va pouvoir affronter dans ce combat cinglant ces salauds qui enterrent les êtres encore vivants? Acheter un tout petit chez soi avec un jardinet tout près d'un petit bois. Bien plus qu'avec l'argent, il nous le faut payer sans changer pour autant un sort de condamné.